d'août. Donc nous sommes le 9 décembre. 9 décembre et pour changer, j'ai décidé de faire une composition un peu plus sur la verticale. Parce que je suis restée beaucoup sur l'horizontale. Donc vous allez voir que je vais mettre aussi du washi à l'horizontale, mais les die cuts sont positionnés à la verticale. Donc en fait il s'agit d'une grande étiquette de la collection que j'utilise depuis le début, d'une toute petite étiquette qui vient des blocs 3D de chez Action, du chiffre du jour, donc le 9, et également un petit strass que vous verrez que je rajoute à la fin, et puis mes éternels bandes de washi tape glitter. Donc c'est encore une page très très simple, c'est loin d'être ma préférée. Après il faut savoir que j'ai été un peu prise de court sur mon projet de Daily December, puisque je voulais absolument vous faire les pages jour après jour, une par jour, enfin un calendrier de l'avant. Donc c'est vrai que j'avais pas mal de retard avec ma puce qui m'a pris pas mal de temps ces derniers temps là, qui voulait les bras et toujours les bras. Donc ça a été un peu compliqué pour moi de scraper, et du coup c'est vrai qu'il y a eu des jours où j'ai vraiment manqué d'inspiration. Et puis je pense que je n'avais pas prévu assez de matériel en fait. Et je me suis retrouvée un peu à court d'idées sur la fin parce que ça revenait toujours au même. J'aurais dû prévoir plus de matériel. Et puis je voulais pas en rajouter vraiment des totalement différents sur la fin, parce que ça aurait fait vraiment bizarre, il n'y aurait pas eu de continuité. Voilà. J'espère que ça vous a plu néanmoins, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.